Je m'appelle Jonathan De Bruyne. J'ai commencé le sport automobile en karting à l'âge de 9 ans. Ça fait plusieurs années que j'évolue en compétition automobile avec mon copilote Mathias Boucher. On travaille en ce moment avec le team GTA 33 sur une Lotus Elise, préparée pour le championnat TTE. C'est un championnat d'endurance étendu chaque année sur 7 courses un peu partout en France. Lurcy Lévis était pour nous l'occasion de tester et régler les voitures avant le début du championnat. Luvigen, c'est un circuit technique, difficile. C'est un vrai test d'agilité et de réflexe pour le pilote. C'était aussi la première course du championnat TTE d'endurance dans lequel on évolue aujourd'hui. Quand on doit conduire une endurance pendant 4 heures, mieux vaut avoir une préparation et une condition physique irréprochable. Il fait extrêmement chaud dans les voitures. Nous sommes bien loin du confort des voitures de série de nos jours. C'est un sport très technique dans lequel on doit maîtriser l'ingénierie des véhicules. Les réglages sont essentiels. Les véhicules sont faciles à prendre en main, mais demandent à être poussés à leurs limites pour gagner la course. Et c'est là le rôle du pilote. Toute la team doit être au top. C'est vraiment un travail d'équipe sur la durée. La team GTA 33 est originaire de Bordeaux. Ils sont à l'écoute, ils sont passionnés et maîtrisent parfaitement la Lotus Elise et sa mécanique. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour le championnat. J'ai toujours été très exigeant et méticuleux dans la préparation de la voiture, et aussi à l'écoute des ingénieurs. Mon plus grand souhait avec Mathias serait de courir dans des catégories supérieures. Nous avons besoin de nouveaux sponsors prêts à nous accompagner dans cette aventure et nous faire confiance. Ce n'est pas un secret, le sport automobile est principalement financé par les sponsors. On attaque dès aujourd'hui la prochaine saison.